Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous avons passé le 15 octobre et le temps est parfaitement estival. Dehors il fait soleil, il fait chaud, j'ai 25 degrés là et j'avais 23 degrés ce matin sur le balcon. Je crois bien que je n'ai jamais vu ça au mois d'octobre en région parisienne ou en Auvergne, ou alors j'étais trop petite, je ne m'en souviens plus. Du coup ces températures absolument inhabituelles nous poussent à nous poser des questions. Est-ce qu'on doit continuer à fertiliser nos plantes ou pas? J'en parlais avec certains d'entre vous, notamment en message privé sur Instagram hier et avant-hier. Donc je me suis dit ça vaut peut-être le coup d'une petite vidéo, donc je vais vous donner mon avis. N'oubliez pas que je ne suis pas professionnelle du jardinage, de l'horticulture ou quoi que ce soit. Donc là ce que je vous donne c'est mon avis personnel tout simplement qui est valable cette année, mais je ne sais pas si jamais dans 5 ans on a tous les ans ce même temps là, peut-être que dans ce cas là les choses auront changé. Donc c'est parti, moi je vais vous donner mon avis pour chaque catégorie de plantes. On commence par le balcon avec les plantes fleuries d'automne. Alors je pense aux chrysanthèmes, aux asters, aux pensées, aux viola cornutans, enfin bref, toutes ces plantes qui fleurissent tous les ans en automne, quoi qu'il arrive, jusqu'aux premières gelées, voire au-delà. Celles-ci, bien entendu, je continue à les fertiliser puisque je les fertilise toujours au mois d'octobre. Tant qu'elles sont en fleurs, j'en profite et je les aide à fleurir. Toujours sur le balcon, vous avez peut-être encore des annuelles fleuries d'été. Toutes ces plantes qui sont d'habitude en pleine floraison pendant la fin du printemps et tout l'été et qui, dès le mois de septembre, s'arrêtent. Cette année, il y en a beaucoup qui jouent les prolongations avec cette drôle de météo. Celles-ci, eh bien moi je continue à les fertiliser puisque de toute manière ce sont des annuelles, donc en général en fin de saison c'est poubelle. Puisqu'on s'en débarrasse en fin de saison, moi je ne me gêne pas, je n'hésite pas à continuer à les fertiliser assez régulièrement pour soutenir la floraison. Sur le balcon j'ai aussi des vivaces, ça ce sont les plantes en fait que je conserve d'une année sur l'autre, qu'on peut conserver même en pot. Alors celles-ci en fait, moi là j'ai arrêté de les fertiliser. C'est tentant de continuer puisqu'elles ont toujours, elles peuvent avoir des fois encore une tête estivale entre guillemets, être encore un petit peu en floraison ou quoi, mais j'ai remarqué quelque chose, regardez à l'extérieur, regardez dans les parcs, dans les forêts, dans les campagnes, malgré les températures, la nature a compris, a senti que c'était l'automne. Donc ce n'est pas forcément seulement une question de température, les plantes en tout cas commencent à rentrer en repos, la sève commence à descendre. Donc même si mes plantes en pot ne s'en rendent pas encore compte, je pense que c'est une bonne chose de les laisser tranquilles, d'arrêter la fertilisation pour ne pas gêner leur mise en repos. Il ne faut jamais donner trop d'engrais à une plante puisqu'après elle ne peut pas l'utiliser, puis alors ça peut l'abîmer en fait, ça peut avoir des effets néfastes quand il y en a trop. Donc pour ces plantes, même si le beau temps fait qu'elles ne savent plus vraiment où elles habitent entre guillemets, il vaut mieux cesser la fertilisation à mon avis. On passe aux plantes d'intérieur, alors je vais commencer avec les plantes vertes tout simplement, que ce soit celles qui fleurissent ou celles qui ne fleurissent pas sous nos latitudes, c'est la même chose. En général on dit qu'on fertilise à partir du mois de mars-avril jusqu'au mois de septembre et souvent en octobre c'est terminé. Là étant donné l'ensoleillement, la température, déjà j'ai continué à fertiliser plus régulièrement que je le fais d'habitude puisque je n'arrête pas d'un seul coup. En général je commence par espacer les fertilisations et puis ensuite je les arrête. J'ai continué les fertilisations mais en les espaçant pour ralentir quand même les apports. Si le temps se maintient je continuerai à fertiliser une fois de plus, peut-être deux, mais grand maximum je pense qu'en novembre j'arrêterai. Autre plante d'intérieur, ce sont les orchidées. Alors pour celle-ci, je suis le plan de fertilisation. C'est-à-dire qu'il y a des orchidées, bon, les phalaenopsis par exemple, on peut les fertiliser toute l'année si on a une bonne luminosité pendant l'hiver, pas de souci. Il y en a d'autres, elles ont vraiment un plan de fertilisation assez précis. C'est engrais croissance de tel moment à tel moment, engrais floraison à tel moment, pas d'engrais pendant un mois, pendant deux mois, etc. Ça, quel que soit le temps, s'il se maintient comme ça ou s'il change, je suis le plan de fertilisation qui est habituellement prévu. J'ai fait le tour de toutes les plantes auxquelles je pensais, sur le balcon et en intérieur. Alors ce n'est que mon avis, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, vous êtes libre de le suivre ou pas. Si vous avez des conseils avisés, issus de votre expérience ou de votre formation, bien entendu, vous pouvez les partager dans les commentaires. C'est toujours très intéressant, quand on se retrouve dans des conditions climatiques inhabituelles, de partager toutes nos expériences. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.